Ready, everybody? Yeah. Mais non, vous pensiez tout de même pas que j'allais vous révéler le sexe du début. Et non, il va falloir patienter et regarder la vidéo jusqu'au bout. Oh, nos bébés. Maya, c'est qui là? Maya, là. Bébé. C'est qui? C'est le bébé de maman? Ça y est, on sort de l'échographie. Ah, j'ai la petite enveloppe. Là, 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 là. Et les confettis au cas où qu'on ait un fail sur notre, notre gender reveal. Maya, t'as vu le bébé? Ouais, c'est une petite sœur ou un petit frère? Ouais, bon, c'est les deux. Oh là là, j'ai juste envie de savoir. Donc, on va savoir très bientôt. Étant donné qu'on... Je ne vais pas vous dire directement ce qu'on va faire, mais vous allez voir ce qu'on va faire. Et j'ai trop hâte. Mais j'ai trop hâte de savoir. C'est parti. On va faire un essai. On va faire un essai avec les voitures. Prendre la voiture. Le père de Chris. Et on va tester ça. What color did you pick? Pink. The one we won't need. C'est apparemment la couleur dont on va pas avoir besoin. On espère que ça va fonctionner. On va tester ça. Allez, essai numéro 1. Est-ce que ça va fonctionner? Petit, on est en route pour aller faire... The seat is in the way. Pour aller faire the crown reveal. Boys, what do you think it's gonna be? A boy. A boy? Girl. Girl. Maya, c'est quoi? Boy ou girl? Garçon ou fille? Non, elle n'a pas d'avis. Toujours pas d'avis. Bon, mais c'est parti. On va, on y va. On va faire le grand reveal. You recording now? Yeah, you're recording. We do three. Hang on. Well, who's calling? We can actually be facing this way. Who's calling it? You ready, Al? Ready. Yep. You ready, everybody? Ready. Yeah. J'en reviens pas. Regardez, la fumée, elle est partie. Je suis encore à deux avec mes doigts. Et là, je n'en reviens pas parce que j'étais intimement convaincue que c'était un garçon. Comme quoi, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Et voilà, je termine cette vidéo quelques jours après le gender reveal parce que j'ai complètement oublié de faire une fin pour ce petit vlog. Tout simplement parce que j'ai été prise par toutes les émotions et tout ce qui va avec. Je pense que vous comprendrez. Donc voilà, me voilà même naturelle dans ma tenue tous les jours, brassière jogging, en train de travailler, voilà, devant mon ordinateur pendant que la petite fait sa sieste. Donc j'espère encore une fois que ce gender reveal vous a plu. S'il vous a plu, mettez-le moi en commentaire ci-dessous. Moi je suis absolument choquée, je n'en reviens pas. J'étais convaincue que c'était un garçon. Un garçon, qu'est-ce que je raconte? Une fille, une fille. Non, un garçon, c'est ça, j'étais convaincue que c'était un garçon. Oh là là, mais vraiment, mon pregnancy brain. Vous pouvez voir dans mon autre vidéo, dans mes symptômes, c'est vraiment ça, je dis n'importe quoi en ce moment. Voilà, j'étais convaincue que c'était un garçon. Et non, c'est une fille, donc voilà, Chris va être entouré de beaucoup de femmes à la maison. Et j'espère que ça vous a plu, donc n'hésitez pas à liker la vidéo ci-dessous si c'est le cas. Si vous, vous pensiez que c'était un garçon, mettez un thumbs down parce qu'on a eu tort. Et si jamais vous pensiez que c'était une fille, mettez un thumbs up parce que j'ai l'impression que comme la plupart d'entre vous sur Instagram, vous pensiez que c'était un garçon. Comme moi, j'en étais absolument convaincue. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner pour avoir toutes les nouveautés sur ma grossesse, sur les workouts, sur tout ce qui vient. Et surtout, n'oubliez pas de commenter. Je vous fais plein de gros bisous et au prochain vlog. Ciao !